Allez, bonjour à toutes et à tous. Rebonsoir si vous étiez déjà avec nous. Ouais, bonjour, rebonjour, selon si vous étiez là devant le match des filles tout à l'heure. Bienvenue sur la chaîne YouTube du SMUC Marseille Basketball pour cette 22e journée du championnat de France de National 2. Ce soir, victoire égale maintien, Julien. Pratiquement, ouais. On l'a attendu ce match-là. Là, on profite de la bonne petite série là, de ces SMUCistes ces derniers temps qui ont réussi à trouver du rythme. Et puis, si on pouvait valider ça ce soir par une victoire contre la Lanterne Rouge, eh ben écoute, ça serait tout bénef et puis ben, ça viendrait soulager un petit peu les têtes SMUCistes. Hein. On respirait mieux. Elle a été dure cette saison. Hein. Après la belle victoire des filles tout à l'heure. Ouais, victoire logique. Eh ben, on va espérer de nos filles quatrième. Les garçons qui, en cas de cinquième victoire consécutive, pourraient même commencer à regarder vers le haut. Mais un pied devant l'autre. Ouais, je t'avouerai qu'on vient de tellement loin que... On va déjà se satisfaire de cette série positive là ces derniers temps. Et c'est parti avec Bakary Konaté. Bakary Konaté de retour dans le 5 majeur, il avait raté les deux derniers matchs. Alors, ça je voulais aussi intervenir. Donc je te parlais tout à l'heure, je disais le début entre guillemets de la bonne série de la Renaissance, le retour au jeu de Vincent Vermillac. Il y avait aussi un autre aspect. Un jeu un peu plus small ball. Ouais, exactement. Voilà, on a fait quelques matchs. Bon. Ah, dommage. On a fait quelques matchs ouais, sans forcément Bakary Konaté ou le deuxième, ça y est, j'ai un trou, Niakate, en jouant avec Radjouti Post 5 qui s'écartait beaucoup et ça a été pas mal, ouais. Je trouve. Du numéro 6, Jean-Charles, tu as beau tester, lancé franc à suivre, Loris Bassoff. Ouais, je disais que l'option small ball nous avait été efficace. Donc à voir éventuellement sur certaines périodes du match. Allez, Loris, il faut les mettre. Histoire d'attaquer ce match par le bon bout, ce match comme tu l'as dit ultra important. On aurait signé le 0 sur 2. On sait qu'on a été irrégulier tout au long de l'année au lancer franc. Ouais, forcément dans la dernière période c'était un peu mieux. Ouais, ça ressort, prendre le rebond, essayer d'aller chercher du jeu rapide. Ouais, bien Geoffrey Daraboulas. Ah, il a lâché un peu tard. Il a lâché un peu tard, ouais. Allez, deuxième faute provoquée. Nouvelle faute du numéro 6, Jean-Charles Toiboy-Tesré. Deuxième faute personnelle. Lancé franc, Loris Vlasov. Peut-être dû aller écraser tout ça, non? Pas eu l'occasion de... Oui, tout à l'heure, on aurait pu avoir une alerte top 10. Loïs Vlasov qu'on a trouvé mieux aussi hein, sur les dernières sorties, il a retrouvé son énergie, il a retrouvé son sourire. Exactement. Ça part de là, tout simplement. Et on en parlait hein, même plus généralement, la vie du groupe, on sent des joueurs qui sont connectés, alors qu'on ne sentait pas du tout au long de la saison. Le body language est beaucoup plus positif, il y a de la solidarité. Ah, il court et ça fait plaisir à voir. Allez, rebond offensif, Radjouki, Loris à 1 sur 4 au lancé. Pareil, on a eu longtemps dans la saison Jonathan Radjouki blessé. On sait que c'est. Ah ouais, mais c'est le genre de joueur atypique important avec sa taille et avec ce super shoot extérieur. Eh bien, Vincent Vermillac, ah dommage. Allez, bonne défense. Relation des 24 secondes, remise en jeu au chrono. Bonne défense lyonnaise là, qui nous a empêché de prendre un shoot dans le temps imparti. Allez, on remet Artigues, défendu par Loris Vlasov. On sait qu'il est souvent en mission défensive sur le meilleur extérieur adverse. Elle a bien drivé. Ouais, un peu. Allez, être au rebond, arraché. Allez, on l'a, est à nous. Allez, Vincent. Essayez d'avoir du jeu rapide. Ouais, ouais, on parlait de l'apport de Vincent Vermillac dans la bonne série SMUCiste, voilà. Le point, Vincent Vermillac. Je trouve qu'il... Il gère très bien le rythme de match, Vincent, hein, quand il faut passer, quand il faut être agressif, quand il faut aller au cercle, quand il faut tirer extérieur. Franchement, un super apport là depuis qu'il est revenu de sa grave blessure. Un super garçon aussi, tu le aussi, disais, important dans la vie de groupe parce que toujours positif, toujours un encouragement. Ah, un long 2. Dragan Boisin. Je crois que c'était un long 2. Deux points. Le vieux de l'enfant, c'est 2-2-2. Eh oui, alors que Mikey se fait reprendre par un ancêtre dans le public. Et là, c'est un peu long, là, le tir de Geoffrey de Larboulas. Allez, aussi, Le match avec un petit peu de déchets côté marseillais.
La deuxième. Mais on a des positions. Alors Romain Artigue, voilà. Ouais. On a failli remettre le à filet. Mon avis, si Loïs était sur lui, là, sur une action, je pense que ça doit être un sacré shooter à trois points. Allez, ballon au poste. Ça ressort. Fixation. Allez, Loïs, peut-être être un peu plus près de la ligne à trois points pour être dangereux. Ouais, là, ça, il adore. Il aime bien. Allez, allez, on est rebond, super, Geoffrey de la Boulasse. Ouais. Il a pris un coup au passage. Allez, ça va, il est costaud. Et Vincent encore en pénétration. Ah, là, c'est allez, le peu dommage. Ouais. Il a demandé le contact, mais il faut toujours respecter la décision des arbitres. Voilà, je l'ai dit, je l'ai placé, maintenant on peut. Oula. Oula. Ouais. Oula, c'était vraiment pas très catholique tout ça. Ah, bien Vincent, bien joué Vincent, super, encore une fois. Bonne défense. Ouais. Voilà. Il est resservi. Oui, là, il va le jouer. Oh. Ah oui. Ok. Ah non, ouais. Sortie de balle, remise en jeu, SMUC. Ça n'a pas beaucoup de créneaux de. Hey. Oh! Elle est pourquoi pas. Dommage. Ouais, peut-être un peu rapide, à voir. Eh oui, quand ça ressort, on dit ça. Ouais, c'est ça. Et c'est si ça rentre, risque, on peut rien dire, mais. C'est la prise de risque. Après, il a été plutôt en réussite ces derniers temps, Geoffrey. Ah, joli shoot. 3 points, Ludovic Kader. Eh oui, je crois qu'on entend Christian Cléan dire on ne sort pas. Eh oui, mais ça fait plusieurs fois. Ça, c'est un petit problème quand même quand on a. C'est ce que je te disais. Quand tu parlais du small ball. Exactement, mais exactement ça. Quand on défend. Et exactement. Et autant que ça soit Bakary que Youssouf. Les deux, ils ont vraiment du mal hein, sur l'extérieur. On sait qu'il y a des pivots, des fois un peu plus mobiles. Et voilà, faute offensive, sifflé pour Bakary Konaté sur un écran mobile. Bakary Konaté, première faute personnelle. Tandis qu'on sait que Radzouki, c'est beaucoup plus naturel pour lui, qui a l'habitude d'évoluer dans une position d'espèce de 4 fuyant, et qui du coup sort beaucoup plus facilement sur un pic. Du coup, c'est Hakim Saya qui complète la paire intérieure, le capitaine. Et c'est sûr que du coup, en termes de dynamisme, allez. Bravo, Loïs. Loïs Krasov. Bien joué. Voilà, allez, en mission. Voilà. Aïe, pas passer sous les écrans, Loïs, si c'est le shooter. Ok, bien joué. Là, avec Jean Radzouki. Ouais. Super, bon rebond, sécurisé. Regarde, la tête du jeu rapide. Allez, il a raté le premier. Bien. Yeah. Dans sa zone. Faute de Vincent Vermillac, première faute personnelle de lancer franc à suivre. Ludovic Kader. Et je trouve qu'ils font un bon petit début de match, les Lyonnais. Oui, sérieux. Enfin, en tout cas, alors, il y a un petit échantillon, il n'y a même pas 5 minutes de jeu, mais je me demande comment ils sont aussi bas dans le classement. Et. Vraiment. Mais bon. Rien ne sera facile ce soir. Ouais, exactement. Il semble qu'on va y être juste au bout. Si on va la chercher, celle-ci. Enfin, comme on dit, voilà. Y a... Panier accordé. Allez. Et la Croyon. Ouais, la Croyon, ils sont condamnés. Oui, ils sont condamnés. Et Bakary Konaté. Donc c'est vraiment sans pression. Ouais, t'es pas loin de passer à la force. À 7 de la possession. Le bras armé Radzouk. Ah, il a un sacré shoot hein, pour un joueur de sa taille. Ah, c'est pour ça, quand on peut, je comprends aussi le coaching staff qui le décale le plus possible en 4 en faisant. Ah ouais, mais soit Bakary Konaté. Moi je te dis, je décale vraiment en 5. Ah, moi elle me plaît la formule small ball. Regarde, il est capable même de défendre en tant que 5. Allez, on pousse. Ah oui, je t'ai pas vu Geoffrey. Allez, regarde-le. Il a pris la position. Ah, dommage, Jonathan avait fait l'effort. Ouais. Il a pris la position. Mais bon, écoute, on va travailler. Eh oui, Vincent, il a fixé. C'est vraiment un super fixateur. Oh, marché cloche-pied. Marché cloche-pied. Remise en jeu, Frolion. Première fois que j'ai entendu ça. Ouais. Marché cloche-pied. Ouais. Allez, Marseille, alors on appelle de la défense. Et oui, allez.
J'ai été sage. La défense. J'ai été sage. Ouais. Vous sachez, comme c'est moi qui envoie un peu la musique aussi, Julien est très précautionneux des règles, c'est-à-dire que du coup, j'ai une à deux secondes une fois que la balle est passée pour pouvoir stopper. Faute numéro 3, Rudy Castelnau. Première faute personnelle. Remise en jeu, Smuk. Allez, deuxième coup au niveau du visage pour Geoffrey de la Roulasse, qui n'est pas chanceux de ce côté-là. Allez, si vous me la passez, pour l'instant, il en prend plein la gueule. Allez, à toi de répondre, Geoffrey. On connaît ton adresse. Allez. Mais malheureusement pour lui, pour l'instant, il a pris deux coups. Allez, mais c'est un dur au mal. Allez. Allez, une défense de zone du côté lyonnais. Donc, on avait dit ce qui était là pour le match des filles. Une circulation rapide. Allez, ouais, là, ça a été très court. La circulation rapide, condition signée. Bien touché par Bakary Konaté, cette passe transversale. Allez, ne pas sauter sur les fenêtres, ne pas sauter. Allez, on va. Il est là, sorti de balle. Il est dans un petit. On va faire confiance à Vincent pour imposer le rythme qu'il faut. Bien, c'est ça, prendre les intervalles sur une zone. Bien, Louis. Le point, Louis Christophe. Avec son adresse naturelle. Ah, bien joué. Eh, ça fait deux fois qu'il l'a fait celle-là, lui. Et du coup, avec sa faute offensive, ça sera sa deuxième. Il va sortir. Deuxième faute personnelle, Jonathan Radjouki. Non, première. Je dis n'importe quoi. C'est pas lui qui prend sur l'écran. L'écran mobile, pour moi, c'était lui. Mais bon, c'était lui, l'écran mobile. Bon, bizarrement. Après, il a le 22, c'est... Entrée en jeu, Youssouf Niakate. Applaudissements. Ça fait un peu, quand tu dis applaudissements, ils le font un peu, pas beaucoup. Ouais. Hein. Ouais, bon, mais tu sais bien que si tu le faisais pas, il y aurait une récolte. Ça serait pire. Ouais. Donc c'est pas grave. Non, c'est bien. Je le fais. C'est pas inutile. Ouais, voilà, c'est ça. Allez. Et Louis. Deux points. Dragan Boisa. Ouais. Une incompréhension sur cette remise en jeu ligne de fond. Ouais, bien communiqué, savoir si on change sur les écrans ou pas. C'est le problème qu'il y a eu. Bien joué, ballon, ouais, bah, c'est bien. Voilà, bonne circulation de balle. Louis qui se démarque sur l'aile. Faute. J'ai numéro 11. Erwin Katoumbayi. Remise en jeu fond. Marseille. Allez, c'était là que c'est le plus facile pour servir à l'intérieur. Jonathan Radjouki avait pris la bonne position. Bon début de match de Louis. Qui est agressif à souhait. Allez, encore plus vite. Encore. Ouais. Allez, là, c'est dedans. Ouais, normalement. Ah, dommage, Geoffrey, c'est un bon tir. Ouais, dommage, il y a une belle circulation. Ouais, ouais. C'était bien joué. Là, il n'y a rien à dire, à part le mettre dedans. Ah, ça fait deux fois. Allez, cette fois, c'est la deuxième de Jonathan Radjou, qui, si ça n'était pas tout à l'heure. Ouais. Et on devrait voir le Captain Saya arriver. Mais là, ça fait deux fois qu'on se laisse trouver. Jonathan Radjou, qui? Quelqu'un qui réagit sur le banc, quand même, ou pas? Ah. C'était annoncé. Vous voyez. Allez, sorti Jonathan Radjouki, deux fois de personnel. Arrivée du capitaine Hakim Saya. Applaudissements pour les joueurs. Un peu mieux. Ou à la fin du match, pour peu qu'on gagne ou que ça s'enflamme un peu, allez, on fait brûler le TKS. On va chauffer le TKS. Une arrivée active et dynamique de la petit marin, ouais. Petit marin, U13. Ah, il vient de son bateau. Applaudissements. Ouais. Il y a le reste de l'équipage qui l'applaudit. Ouais, c'est beau. Petit marin, pour ceux qui l'ont. J'ai pas voulu la relever en fait. Je voulais pas Allez. Insister dessus parce que peut-être que certains la trouveront. Somme toute. Bon. À l'image de ce qu'on peut faire, des oui, oh là. Il va, le premier degré. Allez, le deuxième est dedans. Alors que Pascal, notre caméraman, est en train de s'étouffer. Trop de mousse dans la bière. Oula. Ouais. Ouais. Alors là, on est parti un peu à l'aventure. Je n'aime pas ce match, Jus. Ouais. De nouveau point. Erwin Katoumbayi. Je n'aime pas ce match. On n'est pas dedans dans l'intensité, on ne joue pas à coup. Je suis d'accord avec toi. Comme si jusque-là on avait joué libéré des matchs hyper dangereux. Et là où on a l'occasion d'enfoncer le coup, on a peut-être un peu plus. Ouais, comme si on s'était relâché en disant que le plus dur était fait. Soit qu'on jouait un peu plus crispé, parce que justement il faut le prendre. Ouais.
Je sais pas, mais allez Geoffrey. C'est pas bon. Retour. Non, il avait touché Geoffrey. Ouais. Et ça travaille bien côté Crolion. Dur, c'est dur ça. Ouais. Allez, regarde, il y a Geoffrey. Et là il va l'attaquer. Ouais. Et c'est bon, Geoffrey de la Moulasse. Il aurait pu avoir le 2 plus 1. Oula. Oh. Décidément, il fait les chèques. C'est vrai, il a attaqué un 3 points. Le dragon voisin, ouais. Ouais. Celui tout à l'heure, c'est lui qui avait les mains joyeuses aussi sur oui, la réception de passe. C'est ça. Aïe. Lui, je sais pas pourquoi je le sens à droite à 3 points. Parce que, vu la surveillance qu'il y a de Louis dessus, à mon avis, ça a été scouté ça. C'est ça. Allez, joue, capitaine. Le poste. Prends les intervalles. Prends les intervalles. Voilà, au poste. Et ouais, mais il se présente pas. Super. Ouais, okay. Eh ben, il s'en sort bien, mais je trouve que Youssouf Niakate, là, sur l'action, c'est pas assez tranchant son appel. Tu vois ce que je veux dire, là, cette espèce de coupe, là, sur 2-3 mètres, ça doit être j'ai beaucoup plus tranchant. Avec son physique, en plus. C'est en train de lui dire son coach. Eh ouais, mais ça se voit, il y a un espace, on sent que c'est celui-là qui fait. Il est sorti, Geoffrey de la Moulasse, Vincent Vermillac, retour de Jonathan Radjouki et entrée d'Aki de Bara Nguyen, pardon. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les joueurs. Ils sont 6. Ah. Et Radjouki qui revenait avec ses deux fautes. Entrée différée. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Ça sera le tireur. Et donc, on va arriver où ? À notre small ball. Donc je vous dis que c'est ce qui a sûrement relancé un petit peu la mécanique smithiste là, au milieu de saison. Alors c'est rien contre Niakate ou Konaté, hein, bien sûr, hein, c'est juste un constat que dans ce format de jeu, allez, Barade doit prendre le rebond. On arrive à être plus efficace tout simplement. Là. Il a fait une petite Jordan, il a bien poussé avec la main gauche dans le dos. Niakate qui est bien venu fermer. Ouais. Bonne défense pour l'instant. Parlez-vous les gars. Bloc à droite, Hakim, ça change. Non, ça change pas. Oh, appui grand-père. Ils sont passés. Et Dragan Moisa pour le rebond. Attention capitaine, Romain Artigue. Ouais, lui on sait aussi. On n'est pas au box-out, pas normal. Et c'est là où je te rejoins que je sens, je sais pas pourquoi, il y a une atmosphère particulière. On n'y est pas, il n'y a pas la même énergie. Il n'y a pas la même énergie. Aïe. On fait des fautes bêtes, comme celle-ci de Bara Nguyen, parce qu'on n'est pas dans les appuis. Rien contre Bara, bien évidemment. Oh non, surtout défensivement, c'est la bien qui est reprochable à tous les matchs. C'est bien lui. Allez, sortie de Youssouf Niakate, qui se fait sermonner par son coach. Littéralement sermonner. Ok. Ok, on voit Jordan à côté qui lui dit mec, avec ta tête. Et Geoffrey de l'Arboulas qui le remet dedans. Voilà, c'est ça qu'on voyait pas jusque là. Ouais. C'est ce qu'on ne voyait pas. C'est vrai. Voilà, là on vous raconte, vous voyez pas les images, hein, on vous raconte la coulisse de ce qu'on voit sur le banc. Jordan, pareil, c'est ça qu'on voyait pas jusqu'ici. Et du coup, j'ai même pas vu le lancer, mais je crois qu'il a raté le premier. Lancer lui aussi. Ouais, c'est ça, il avait raté le premier, ouais. Mais 18h. Ouais, pour l'instant, on fait pas un bon premier quart temps. Ouais. On lâche pas les chevaux. Et après, il faudra voir aussi. Donc, bon, il y a l'absence de Jordan, on le sait. Et puis, elle est sauvée. On en parlait tout à l'heure. Il y a toujours l'absence de Elias aussi. Donc, on a pas trop de rotation à part Jules Calvert et sa jeunesse sur le poste 1. À voir ce que ça peut donner sur la longueur du match. Il a toujours donné des bonnes minutes. Bien sûr. Ça après on parle d'un match de maintien de National 2, tu vois ce que je veux dire. Oui mais quand les trucs sont tendus. Il y a Angel Corneille aussi. Ah oui, j'ai oublié Angel. Là il y a quand même certains contacts. Allez Louis. Oui mon petit. Le toucher du shooter. Eh ouais. Oh. Ouais, un peu mais je l'ai pas dit dans ce live encore que justement. Premier carton. Marseille, 17. Lyon, 13. Allez, bien Louis, pour finir ce carton.
Il est chaud notre Mikey National. Oh oui, ouais. On a notre ami Lucas Bacouche qui s'est retrouvé les quatre fers à mer, ouais. Centre numéro 27, Hakim Saya, première faute personnelle. La dureté du capitaine. On le voit, non, pas du tout. Dit, oh. J'étais dans mes appuis, ouais, c'est tout. J'ai juste défoncé le bloc. Il tient pas l'impact, j'y suis pour rien. Allez. Alors, Romer Tiquet est sorti. Tellement précieux, Captain Saya ah, aussi. Ouais. Ça aussi, c'est les joueurs, on ne voit pas dans les stats, hein, tout ce qu'ils apportent à un groupe. Et tu disais tout à l'heure, ça ne se limite pas au basket. Bon, on n'est pas resté longtemps. Est... Ouais, bien joué. Il a sur 24 secondes. On n'est pas resté longtemps en small ball, hein. Non. Il s'est installé à l'instant, ça me fait. Ça l'a surpris. Allez. Alors, pareil, donc on se retrouve avec cette zone attaquée avec deux arrières. Ouais, faute. Faute du numéro 2, Lucas Bacouche. Première faute personnelle, remise en jeu, Smuk. Ah, dommage. Ah. Ah, c'est bien défendu. Ouais. Louis a fait une belle ligne de fond. Allez, on est revenu, on a bien défendu la transition. Oula, c'est rapide ça. Ouais. Pas forcément bon jeu. Oh, dommage. Ouais, bien joué. Il y avait faute là. Ah, je pense qu'il y avait faute, mais bon. Ouais. Il se plaint pas. Sur le numéro 12, Lionel Locus qu'on n'avait pas vu encore. Allez, voilà. Beau bébé aussi. Ouais, donc bon, toujours, toujours la zone, on avait dit. Ah, belle passe. Oui, top, top, top. Il n'a même plus bénéficié de la faute. Sur l'action, attention à Ludovic Kader. Ça a l'air d'être une mèche courte. Allez, Vincent. Oh, ouais. Là, faut pas. Floppé. Belle passe. Ouais. Et on vous parlait de l'impact de Vincent Vermillac. Et encore. Ouais, c'est qui donne le rythme, il s'est accéléré. Ils vont discuter, elle va peut-être être donnée anti-sportive. Elle va être donnée anti-sportive, je pense. Ah non. Attendez. Non, après il est derrière, mais il joue vraiment le ballon. S'il touche pas la tête, normalement ça devrait être une faute normale. Ouais. Là c'est François Bakary Konaté. Talent, Lyon. Les joueurs, applaudissements. Il y a des fois ça va. Il y a des... C'est bon. Et on était de retour, on ne sait pas. Allez. Même pas le temps de demander qu'on est déjà de retour. Allez, Bakary ouais. Konaté. Pourtant, il en fait toujours après les entraînements. On a le bonjour de la voix de Fosse, Daniel Soulé. Un ami de longue date qui est venu passer faire un coucou ce soir, venu voir le match des flûtilles. Une grande famille ce basket dans la région. Allez, bonne défense à Hakim Saya qui a bien fermé la ligne de fond.
on ne dirait pas comme ça, mais c'est un rock notre capitaine. Ah, c'est très clairement le capitaine de notre défense aussi. Ah ouais. Capitaine de l'équipe. Ah ouais, leader par le comportement, par... Eh oui, oui, on l'a vu, on l'a vu. Un petit bump, oui, un oui, peu, ouais. Oui. Alors c'est vrai que c'est chiant de se prendre une faute comme ça, passez-moi l'expression, mais elle y est. Allez. Fouati, Bakary, Konaté. Allez, continuez, c'est ce qu'on disait un peu en off, là, j'ai l'impression que le SMUC a mis un petit peu sa papate sur le match depuis 3-4 minutes, là, fin du premier quart-temps et début du deuxième, à confirmer maintenant. Ah, bien joué. Lionel Locus. Lionel Locus. Allez, entrée de... sur le temps mort, j'avais pas vu, Angel Corneille. Ouais. Ouais. Ça allait trop vite ou il attendait en l'air. Ouais, Ludovic Kader et ses appuis inversés. Encore du capitaine, mais il faut être à l'écran de retard. Ouh, il a baissé l'épaule. Ouais, ouais. Il prend son propre rebond. Il est présent, hein, Locus, là, depuis qu'il est rentré. Ça mal, ouais, ça s'arrête dedans. Après, midi, 8h. Temps mort, Marseille. Ouais, 5-0. Le truc, c'est qu'après, du coup, il faudrait que j'arrive. On y est, on est de retour. Ah mince, on est de retour, du coup. Oui, on est de retour, super. Allez, désolé, vous entendez un peu les coulisses. Je réfléchissais à la prochaine musique qu'on allait envoyer. Allez. Allez, les Marseillais qui avaient... Ouais, on avait créé le petit écart depuis l'heure de deux actions. Bon temps mort de Crolion. Le 5-0 en 30 secondes. Et tu l'avais dit en plus, en off, là, pendant le temps mort, tu disais que c'était un bon temps mort côté lyonnais, puisqu'on prenait un petit peu l'ascendant. Eh ben... Ils ont répondu à ce que tu pensais. Et là, le capitaine Saïa. Aïe, 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 les gars, bonjour à tous. La troisième. Lionel Brandt est arrivé. Eh oui, sur deux lancers du capitaine, lui, il va les mettre les deux. Hein. Bon, d'ailleurs, il faudra peut-être quoi. Ah oui, et peut-être le match, le 15 avril, on pourrait les faire à trois. Ouais, tiens, j'allais te proposer la même chose. 15 avril et 6 mai. 15 avril et 6 mai. La dernière danse du 15 avril. La dernière danse, je serai là. Et après, ouais, bah, en fait, tu verras, mais non, ça peut être là. Ça peut être l'idée, effectivement. Et 1 sur 1 pour le capitaine, sûrement. Et 2 sur 2. Et oui, super Saïa. Hakim Saïa. Et oui, 5 secondes, il a raison. Oula. Ouais, marché, merci. Et super. Yeah. Marché. Balle perdue. Remise en jeu. SMUC. Allez. Le petit. Et je crois que ça sera sa troisième. Il en avait pris deux en début de rencontre. C'est qui ? Jean-Charles Toiboy ? Allez, troisième faute personnelle, Jean-Charles. Toiboy était serré. Ah ouais. Retour en jeu, Dragan Boisard. Troisième faute personnelle. Après, du coup, on a fait de la place sur la ligne de fond, hein, parce que les joueurs. Ouais, malgré le métrage réglementaire. Allez, retrouver le capitaine. Allez, toujours cette zone, hein, côté Lyon. Allez, il faut trouver un peu l'adresse. Allez, dommage. Toujours pas allez, ce bon soir. Rebond. Mais ça va venir. Oui, c'est oui, un bon tir. Avec lui, de toute façon, ça peut rentrer à tout moment.
ce soir, il faut arriver à l'ouvrir. Ah, ça va être dur. Ouais, comme tu disais, même couloir là. Et même si elle rentre. Ouais, c'est serré à l'intérieur dans tous les cas. Elle est dans les pieds. Ah, bien joué. Ouais, bonne prise de position. Oh, oh là. Et sorti de balle. Sorti de balle. Marseille. Notre ami Jacques Monclar dit The Voice aurait crié au contre de Marcel Arceau sur l'action. Pauvre Lionel Locus qui en plus s'est pris une soufflante par son coach. Ouais, et je vous avoue qu'il a failli prendre le jingle vitre cassée, mais je n'étais pas prêt. Ah puis on va rester. Oh, ah ben alors là, il se fait taper la balle. Où est la balle remise en jeu pour Lyon. Ah, c'est bizarre ça. Enfin. Allez. Retour de Théodore Akakpo. Ah, tu savais que c'était Théodore toi. Je voyais pas le numéro. Ouais, le coup d'avance. J'ai eu le coup d'avance. Ouais, c'est ça. Un œil sur l'ordinateur, un œil sur le terrain, un sur le micro. Ah, t'es Krillin toi, ou Yamcha, ou je sais plus qui c'était qu'elle avait trois. Je sais pas, je suis pas très manga. Allez. Allez, bien Mara. Mathieu. Oh bah Angèle, pareil, il se demandait déjà dans l'action d'après de ce qu'il allait faire alors qu'il n'avait pas encore récupéré. Comme la jeune Océane tout à l'heure. C'est ça, ouais, alors, on le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, belle victoire des filles face à aussi Panaventin de Roux. Je mets l'avant-dernier du classement, Saint-Chamond. Un match que les filles ont su se rendre facile, donner du temps de jeu aux jeunes. Un bon passe, et il avait un pied dehors. C'est un petit ball, remis en jeu Marseille. Allez, on sent que Lyonnais arrive pas à marquer, pourtant on n'arrive pas à se redétacher. Toujours on a une 4 points d'avance simplement. Allez, il faudrait prendre la dizaine, histoire de ne pas se rendre le match crispant. Allez Geoffrey, il faut que ça aille dedans. Pour l'instant, il n'est vraiment pas en réussite. On est comme tu disais, on sait que ça peut rentrer à tout moment. Ouais, alors ne pas forcer, hein, bien sûr, mais garder la confiance. Et Baran Guiram qui vient souvent au relais de Loïs Grassoff sur les défenses. Ouais. D'ailleurs, on a et beaucoup de rotations là. On est en small ball et je te dis, suite à la mini altercation entre Christian Clément et Youssouf Niakate, je suis pas sûr comment on revoit ces derniers. Ouais. De la mi-temps, je suis pratiquement sûr qu'on le reverra pas, ça, mais même après. Eh ben là, c'est ouvert. Allez, dommage, allez suivre ton tir, pas repartir, suivre le tir. Après, on ne peut que louer l'effort de replier. Angel. Allez, pas la paire derrière. Eh ouais, il y a quand même faute, oui. Faute du numéro 7, Romain Artigue. Lancé franc à suivre, Angel Corneille. Allez, Geoffrey qui lui reprochait de ne pas avoir lâché assez vite. Moi j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le temps de prendre la décision. Il n'a jamais eu la balle réellement en main, Angel. Allez. Allez. Voilà. Un peu chanceux celui-là. Ah ouais. Les deux étaient longs. Le premier a eu un peu de chance de rebondir 4-5 fois autour du cercle avant de rentrer. Le deuxième est ressorti et on est à plus 5. Allez. Maintenir ce niveau défensif en tout cas. Elle y est. Numéro 9. Geoffrey de la Roulasse, première fois de personnel. Ouais, d'ailleurs, très actif ce numéro 1, là. Ludovic Kader. Il a beaucoup provoqué. Oui, peut-être marché. Là aussi. Et la faute. Ah non, tiens. Remis dans le jeu, Smic. Bah, finalement. Il y a une justice sportive. Ah, ça montait un peu parce qu'on voit un peu les têtes. Ça montait un peu.
Allez, oh, bah, viens Mara. Oh. Ah ouais, il aurait presque pu y aller pour lui. Et puis pour avoir vu 2-3 dunks de lui à l'échauffement, je peux te dire que ça monte haut. Hein. Oh dommage, le capitaine au centre. Regarde, hey, 2+1. Le panier plus la faute. Geoffrey dans la glace. C'est bien rattrapé finalement. Et quand on te dit qu'il avait pris des coups, il a le petit sparadrap sur l'arcade. Hein. Ça lui donne un style boxeur. Allez, tout à l'heure j'envoie Rocky alors, en musique. Le quoi, The Eye of the Tiger, yes, j'imagine. C'est pas ça. Bah, tout à l'heure même le Victory déjà, c'est la reprise, c'est sur le sample de Rocky. Ah, what's happened? Elle a lancé. Je crois qu'elle en avait lancé deux tout simplement, ah. Madame l'arbitre. Ah ouais, c'est ça, elle sourit. Je ne sais pas, Justine Lano et Charlie Cadet qui officient ce soir. Lancé franc. Ah ouais. Bonus. Je crois que... Bon, c'est pour le délire, mais je crois que lors de la présentation, tu l'appelais Justine Cano. Ah, peut-être alors. Ouais, mais du c'est coup. Peut-être c'est... Lano. Mais peut-être, mais là, ah, oui, du coup, parce que j'ai très mal écrit. Je te dis, au moins, j'ai très mal écrit quand j'ai noté. Donc, Justine, je me permets de vous appeler par votre prénom. Si j'ai écorché votre nom, je le regrette. Mais j'écris tellement mal que je ne suis pas sûr de ce que j'ai noté quand je suis allé à la table de Marc. C'est ce que je voulais vous dire pour la petite histoire. C'est la première fois que je croise quelqu'un qui n'arrive pas à s'auto-relire. Tu sais, je suis très digital, informatique, donc ouais. Bon, je... Voilà. Allez, revenons à nos moutons, on a beaucoup parlé de nous hein, ce soir. Ah, elle est dure celle-là. Oh là, ouais, ça défend du moyen de ouais, fin de possession. Mais ouais. Belle défense, fin de possession, remise en jeu, Marseille. Ah, et là, il y a peut-être l'occasion de faire un ouais. Petit trou, de la sœur qui revient. Ouais. Ah mais il s'est reposé, il n'a pas joué du deuxième carton, mais il avait joué tout le premier aussi. Retour en jeu, Loïs Grassoff. Et temps mort. Temps mort, j'avais dit quoi? J'avais dit juste... Sandrine, on est pour... Incorrigible ce Mikey. Ah, on profite jusqu'au bout. Oh là. Ah mais, non, regarde, j'ai ma réponse. Faute offensive, il se souvient qu'à Kate. On pensait pas le revoir, on l'a revu. Et je fais une faute offensive. Je suis pas sûr que. Ah, il a connu le meilleur match. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on se prépare après? J'ai un petit, on est encore là quand même. Ah oui, prêt à foutre le souk et tout le monde est corps. Mais là. Peut-être un peu plus tard dans le match, si jamais on assure le maintien. J'avais pensé en pensant au maintien. Ah, bien défendu. Sortie de balle, remise en jeu SMIC. Bien défendu, Hakim. Une perte de balle pour Ludovic Caner. Alors, qu'est-ce qu'on va s'envoyer? Alors, on va varier les plaisirs. Aïe, Andrew Cornel qui a arrêté le dribble un peu tôt. Allez, faire il a circuler sa position, ses ballons. Il a ouais, le servir. Derrière. Allez, il va jouer. Et il va provoquer la faute. Et le... Et deux fois plus la faute. Geoffrey de la roulasse. Allez, retour de Vincent Vermillac. Sortie d'André Corneille, applaudissements pour les joueurs, s'il vous plaît.
Voilà, et on a atteint le plus gros écart du match en faveur du SMUC, un plus 10. Allez, confirmez ça avant la mi-temps. Notre péché mignon. Encore une fois, je ne sais même pas si on est au 50% cette première mi-temps de réussite au lancer. Allez, allez. Ouais. Allez, Ludovic Kader encore. En profiter, attention. Regarde. Ouais, bien fermé par Romain Artigue, ça. Allez, allez, la prise de position, essayer de trouver. Oui, il a fait l'effort. Allez, jouer. Enrouler, bien. Ouais, supérieur à faute. Ah ben heureusement, parce que je crois que c'était parti pour un marché. Hein. Ouais, il était mal embarqué. Allez, mais... Ragan Boisa, deuxième faute personnelle. Lancé franc à suivre, Youssouf Niakate. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Geoffrey Delaboulas qui était à côté de Youssouf Niakate quand il a pris la souffle de Christian Cléante. Et tu disais, il était là pour lui remonter le moral, et là on sent que ça fait deux actions qui se forcent entre guillemets à le servir et essayer de le remettre dedans. Aussi, c'est important. C'est, bien, c'est important. Tout à fait. Non, mais c'était pour souligner le bon état d'esprit là, qui régnait actuellement dans la formation marseillaise. En fait, depuis, je reprends un peu mes notes. Non, c'est depuis lancé franc réussi. Depuis qu'on perd. On a perdu à la maison contre Beaujolais. Voilà, on a pris une rouste à la maison contre Beaujolais, alors que cette victoire pouvait nous permettre d'être. Exactement, c'est depuis ça. De voir l'avenir un petit peu sereinement. Et dessus un deux. Et ouais. Depuis, dans la foulée, il y a eu cette victoire à Avignon à la maison contre Montpellier et à Prissé. Voilà, trois victoires et peut-être la quatrième ce soir. Voilà. Et ça ferait du bien parce que, en fonction, alors ça serait mathématiquement sûr en cas de défaite de Prissé à Saint-Priest. Ouais. Et même en sinon, cas de victoire, il faudrait que Prissé fasse. Il faudrait ne plus prendre 3-0 et que. Ouais, voilà. Et que fasse 4-0 derrière. Faute de Elle était. Faute Louis Drassoff. Première faute personnelle. Ouais, sur mes 18h. Sachant que sur les 4 prochaines journées, les Marseillais seront 3 fois à l'extérieur. Notamment à Salon. Et normalement sur la suite des fiches, j'ai les calendriers. Il y aura Sorgue pour sûr. Il y aura Salon La Pontoise, réception de l'Arabois, le 6 mai, ce sera le dernier match de la saison à domicile, donc on vous attend, et ensuite ça finira à Sorgue. Ouais. Sorgue qui est pour l'instant plutôt mal embarqué, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Allez, rebond, Youssouf Niakate. Allez, on lui souhaite quelques bonnes minutes, là, se remettre dedans, le Youssouf. Ouais. Ouais, grosse défense de Lucas Bakouche. Sortie de balle, possession Marseille. Allez, 10 secondes sur la possession. J'ai failli le dire au micro, mais je crois qu'on n'a pas le droit de l'annoncer. Ah, dommage, il y avait le pic de Youssouf. Allez, il en a profité. Oh, il a touché la planche, pas bien accordé. Ouais, c'est ça. Pas bien accordé. À l'instant, Vermillac. Allez Marseille, défense. Allez, plus 11, on a dit, si on peut augmenter un petit peu cet écart, ou au moins le maintenir. Alors, ouais, Romain Artigue commence à pousser Louis Grassoff, qui en a marre de la défense pot de colle. Mais bon, il n'est pas au bout de ses peines. Oula, un peu alléluia celui-là. Allez, lâchez plus vite, essayez d'avoir du jeu rapide, essayez d'enfoncer un peu le coup, faire l'écart avant la mi-temps. Oula, j'ai dit beaucoup plus heureux dans la même seconde. Allez, il a pris l'intervalle, il va essayer de monter, super, ah c'est vrai, frappé. Eh oui, il y avait peut-être la passe, mais c'est dedans, ça y est. Deux points, Geoffrey Delaboulas. Eh ça y est, il a chauffé, il est monté en température. Bon, faut quand même respecter le jeu, allez. Allez, plus 15, plus gros écart du match, côté Marseillais au meilleur moment. Ouais, 34-19. Ah, on a pris que 19 points, deuxième satisfaction. Allez, pas de coup de ventre. Pas trop de repousser avec le corps. Allez, ah, bien Hakim. Ouais, bien Captain. Encore, ça, non, t'es fait passer Hakim. Allez, oh, ouais, bien gêné. Dissuasion, super dissuasion. Allez, on continue. Allez, il y a le jeu rapide. Oh là. Ben oui, allez. Ça va shooter encore. Ah ouais. Faute du numéro 11, Erwin Katumbayi. Je crois pas. Non. Je crois que c'était le 5. Mais 18h, je crois.
table de marque s'est endormie. Mais ils sont trompés. Si, c'était bien le numéro 11, mais ils sont trompés de côté. Non, c'est le 5. Ah, le 5. Bon, ben, je ne vais pas rectifier dans la salle. Mais bravo. Que veux-tu ? Toi aussi, parfois, tu as le coup d'avance. Ouais, non, mais moi, c'est plus facile. Toi, tu gères la musique, l'annonce micro de la salle. Moi, j'ai qu'à me concentrer sur le match, donc c'est beaucoup plus facile. Allez, celui-là dedans. Oh, court deux fois. Pourtant, on en a shooté beaucoup lundi. Et voilà ! Et il y a le point ! Geoffrey de la Boulasse qui a trouvé le chemin. Je t'ai dit, il est monté en température. Allez, plus 17, là, franchement, qui a super sacré, fin demi-temps. Lundi, on a fait pas mal de shoots. Beaucoup de lancers. Et il a voulu être toujours gêné quand même un petit peu par sa cheville. Oh, là, il y a faute. Ouais. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il veut aller autant le gêner. Oui. Rien étant... Pourquoi il veut aller aussi près? Alors qu'il avait super bien anticipé. Louis Brasseur, trois lancers à suivre. Deuxième. Sortie de la roulasse. Entrée de Jules Cavert. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Jules. Allez, Louis. Année 18. Loïs, je veux pas la troisième faute avant la mi-temps. Hein? C'était la deuxième personnelle de Vassoff. Ah oui, non, là, une minute de la fin. Ça serait trop bête. L'occasion, en tout cas, pour Crolion de revenir à 15 points. Il faudrait passer la mi-temps au-dessus de cette barre des 15 points. Allez, idéalement à 20, mais cette barre des 15 points serait bienvenue. Et Geoffrey de la Boulasse qui va souffler un peu, mais il était bien monté en température, là. Après quelques premiers échecs. Ouf. Le break pour Dragan Boisa. Ouais, qui nous a mis un ou deux gros, un gros dunk, un beau tir à 3 points, et quelques gestes. Ouais. Quelques gestes fous aussi, à 0 sur 2. Fou, ouais. Voilà, là, le geste de le tir un peu droit. Ouais. Presque aussi droit que ceux de Faframo, dis donc. C'est ça, très plat comme trajectoire. Ah non, là, il suffisait de dire ça, il a arrondi. 1 sur 3. Allez, plus 16. Oh là, Jules. Ah, protéger sa balle, mon grand. Eh oui. C'est ça. Là. Bien joué. Très bien joué en passant derrière. Bien rattrapé, ça. Parfait. On a le droit d'être jeune et de faire des erreurs. On les rattrape derrière en défense. Ouais, ouais. Très bien, Jules. Allez, plus 16. Pas encaissé là-dessus. On marque pas. On n'encaisse pas. Bien, Loïs. Oula. Yes. Eh oui, il envoie la main. Ouais, c'est sévère, mais il envoie la main. Le geste y est. Voilà. Ouais, je suis pas sûr. Une faute Bakary Konaté, troisième faute personnelle. Là, on est allé à l'encontre du small ball. On a nos deux pivots. Je suis pas sûr que ça soit là. Le grand jeu, Barra Engram. Ouais, voilà, de toute façon, j'étais pas sûr qu'avec nos deux mastodontes dans le 5, ça soit la bonne solution. Et tu as raison, si je ne dis pas sous vos applaudissements. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a. Ils ne font pas. Ils ne font pas. Non. Ils ne font pas, là. Ils ne font pas. Trop gâté ce public, alors que pourtant on revient de loin hein, dans cette saison. Ouais, et puis les garçons montrent des belles choses. Ouais. Premier lancer franc réussi. Bon, après Bakary Konaté, c'est sa troisième faute aussi. On parlait de deux pivots, c'est peut-être pas la seule raison pour laquelle il l'a fait sortir. Bien, Loïs. Oh. Ouais, il contacte. Allez. 35 secondes à jouer. Allez, plus 15. Allez, il a vu le panier serait bienvenu là. Et deux points, Vincent Berliac. Et il a joué aussi le 2 pour 1, il doit nous rester 2-3 secondes si l'accro va au bout de la possession des 24 secondes. Il y a à peu près 3 secondes de décalage entre l'horloge du tir. Allez. Et bonne défense. Remis dans le SMUC. Allez Marseille, 14 secondes. Le SMUC. T'as pas le droit de dire le temps, je crois. Le SMUC. Je crois que c'est pas le droit de dire le temps qui reste. Si, j'ai le droit tant que la balle n'est pas en jeu. C'est sur les possessions de balles que j'ai pas le droit. Bien Vincent. Allez dedans. Allez Louis. Oh le petit Louis Grossoff. Ah il a pas regardé. Il a pas regardé. Mi-temps. Ouais. Smic 41, Crolion 21. Allez. On a fait la moitié du chemin tout à l'heure.
Non, 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 on va être obligé de recommencer. Allez, on recommence. Allez, bonne deuxième mi-temps. Je sais pas pourquoi. J'attends que le son est relancé. Le son est relancé. Ah ouais, si, si, le son est relancé. Elle oublie. Je sais que tu lui as dit de. Alors, si tu me fais penser, si j'oublie, à la fin du troisième, on présente les U13. Hein. Ok. D'ailleurs, il faut que je me trouve une petite musique. Sur quoi on va les présenter? Oh, je suis sûr que si jamais l'intro des Bulls, ah, ils vont kiffer. Mais ici, ils sont jeunes, non? C'est pas leur. Si, 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 ah ouais, ils connaissent. Ouais, Alistair, ah, Alistair, il les a tous. Il les a éduqués dans son équipe. Idée, ouais. Ah, ouais, tant mieux. Allez, là, on a. Oh, non, c'est bon. Retour de la deuxième mi-temps. Et toujours Loïs Grassoff. En au chevet, ouais, du capitaine Romain Artigues. Qu'on n'aura pas beaucoup vu du coup dans cette première mi-temps. Pour l'instant, là il est passé dessous, ouais, tu l'avais dit, ne pas passer dessous pour les tireurs. Et tu l'avais annoncé. Ouais. Point, Romain Artigues. Voilà, on comprend pourquoi Loïs il est collé à lui depuis le début. Et tu l'as dit, sur les shooters, il ne faut pas passer dessous. Allez, toujours défense de zone, une 3 derrière, 2 devant, voire 2-1-2. Ouais, allez, surtout bien redémarrer cette deuxième mi-temps, ne pas leur laisser croire qu'ils peuvent revenir, même si c'est exactement le cas. Allez, allez. Oh, oh. Ah oui. Waouh. Fait, j'ai le numéro 7. Romain Artigues. Remise en jeu, Smuk. Allez, Radjouk, long. Ouais. Allez, long et gauche. Bien oh, sûr, Vincent. À l'énergie, et il y retourne, et pourquoi pas. Et le deux plus il s'est fait arracher le bras, et ouais. Et anti-sportive, ou intentionnel, je sais plus comment. Quel numéro? Faute anti-sportive, sifflé contre le numéro 7, Romain Artigues, troisième faute personnelle. Blanc, c'est franc à suivre, Vincent Vermillac. Ouais, et on gardera la possession, c'est ça, après? Possession après, bien évidemment. Donc l'occasion de reprendre les bons points d'avance. Allez. Le premier réussi. J'aimerais bien envoyer l'alarme, mais. Allez, le deuxième est réussi. Alors que le sosie d'Igor Tudor marche le long du terrain. C'est vrai, il y a Igor Tudor ce soir. Ouais. Ah non, c'est Laurent Grassoff. Allez, trêve de plaisanterie, plus 19. Et bonne prise de position. Marché, non, non. Là, c'était dur. Ah, Vincent qui traînait en fourbe. Allez, le jeu rapide. Allez, deuxième, les gars. Et surtout, voilà, ouf. Voilà, s'il en avait. Aïe. Ouais. Parce que lui, on sait que s'il en met deux après, c'est le genre de joueur qui peut devenir incandescent. Il ne faut pas laisser prendre feu. Oula. Ouais. Et là, c'est bien défendu. Ce serait dommage de le prendre. Allez, bonne défense. Remise en jeu, Smuk. J'avais l'opportunité d'envoyer un truc. Oh, ouais, bien sûr, Vincent Vermillac. Ouais. Tout à l'énergie. Alors, Ludovic Kader qui est, comme on disait, très dynamique. Ouais, là, la cheville a failli tourner. Attention, attention au marché. Ouais, la balle est sortie. Loïs. Une petite balle, remise en jeu Lyon. Allez. Allez, Marseille, de la défense alors. Défense. Ouais. On n'est pas bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Pas mal. Allez. On lève le bras. Voilà. Allez, Geoffrey. Pareil, mettre un peu de pression. Allez, bien sûr. Allez. Ouais, bien aidé, Jonathan. Ouais. Mais ça libère. Ludovic Kader. Ouais, alors. Bon, je préfère quand même. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. À choisir notre poison. Sa mécanique des shoots sans vouloir lui faire un front. Ah ouais, par rapport à. Romain Artigues, je suis d'accord avec toi. Allez, Vincent, prends l'intervalle. Ah, par contre, on le voit, bonne défense encore. Attends, c'est à côté Lyon, Men et Zone. Oh Youssouf Nakate, assist Vincent Vermillac. Ah ouais. Oh. Une des plus belles passes de la saison, à mon avis. Et là, on se demande si Dao, il a filmé. Ouais.
parce que là, ça va direct en Rennes, Instagram, sur TikTok. Et oui, si vous ne suivez pas encore sur TikTok, allez-y, Smic Basket est là. Courquette, je sais pas comment on dit. Ah, tu aurais pu ? Bah, tu le vois, c'est le cas. Allez, on le retrouvera de toute façon avec la diffusion, s'il y a besoin. Ah ouais, mais alors cette passe, what a pass. Attention, Louis, ah ouais, c'est vrai. Change, et ouais, c'est un peu tard. Oh, ouais, ça se passe, ça. Troisième. Ouais, petit problème de communication avec Louis au tout départ de l'action, là, entre les deux. Faute de Jonathan Radjouki. Je vais attendre qu'il lève la plaquette cette fois pour ne pas dire de bêtises. Ah, il semble bien quand même. Ah non, quatrième. Quatrième faute personnelle. Et il n'y a pas de mouvement. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Mais... de manière un peu plus violente. Je sais pas, à moins qu'il lui laisse faire l'attaque, tu vois ce que je veux dire. Et... Allez, s'il le rate, je fais un bris de glace. Non, ouais, je sais pas. Oh, ça va, c'est pas chambreur. D'ailleurs, un coucou à ceux qui pourraient nous regarder à Lyon. Bon ben voilà, ah si j'avais dit s'il rate que je vais être. Tant, je l'aurais mis s'il avait marqué moi. Ouh là là. Eh ouais, la quatrième mi-temps de la journée, elle est un peu longue. C'est ma sixième. Elle est souvent rigolote. Ouais, c'est ma sixième si on compte le match de minute 13 tout à l'heure. Bien joué. Et bien Vincent, ça... dommage ça ressort. Ah. Allez super encore. Oh il est écarté ouais. Oh là 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 ouais. Ah ouais. Ouais. Elle aurait même pu être intersport. Mais bon, heureusement qu'il y avait du monde derrière, mais c'est vrai. Intersportive que... tu allais dire ça. Ouais, tu m'as dit la quatrième mi-temps. Dit ça. Et ouais, on l'a dit, la quatrième mi-temps elle est compliquée. C'est vrai que j'allais dire ça. Allez, retour à Kim Saya à la place de Jonathan Radjouki. Applaudissements pour les joueurs s'il vous plaît. C'est un mix entre intentionnel et anti-sportif. Ah, te casse, on a compris. Non, mais... Allez, d'ailleurs, on en profite, puisqu'on parle carton plus difficile, tout ça, pour nous, aux commentaires. Le 15 avril et le 6 mai, dernier match des filles, dernier match des garçons. Lionel Brandel sera avec nous, on fera un trio aux commentaires. Alors, au moins pour le 15 avril, déjà, sûr, hein, on va voir pour le 6 mai. Voilà. Alors, bien évidemment, option numéro 1. Geoffrey de l'Arboulas qui est venu scotcher le pauvre Mehdi Zouiter. Ah, le petit Metal Gear Solid aussi, il est pas mal. Je l'ai pas beaucoup utilisé ce soir. Ah oui, on a bien joué encore l'écran. Ouais, ça fait 2-3 fois, fois qu'on se fait 2 points. Gargan Boisa. Allez, voilà, passez cette presse. Et là, normalement, on a du surnom. Ok, ne pas se précipiter. Voilà. L'adversaire veut qu'on joue vite. Il faut ralentir le tempo. Allez, on a toujours cette zone de 1-2. On a dit Ferbi. On voit demain, tout demain, Youssouf. Ah, belle passe. Ouais. Captain plus la fin pour Captain Saya. Ouais, qui a super bien coupé. Et Youssouf Niakate qui l'a trouvé en plein cœur de la raquette. Ouais. Il a résisté au contact et une belle finition main gauche, hein, parce qu'il arrivait vite, il a été poussé. Il y va qu'à une main pour la prendre. Je me dis, oh, il va pas la récupérer. Ouais. En fait, il la récupère et là, il voit bien arriver. Parce qu'en trailer, il y avait Vincent Garmiac derrière, je pense, qui pouvait rattraper le coup. Oh, allez, à qui allez, Louis. Ah, ben, l'action en 4 points. Ah, mais non. Allez, peut-être. Si, regarde, deuxième rebond offensif. Non. Allez, toujours pas. Non. Je sais pas où il était sans marquer, mais ça s'est senti. Ouais. Il est parti à l'aventure là, du souffle d'Akaté. Voilà, il a bien été fermé aussi, Geoffrey de l'Arboulas. Ok. Oula. Ouais, marché. Ça fait deux fois déjà. Marché. Remise en jeu Marseille. Lionel Locus, un peu rustre. C'est bien quand il y a pile poil le timing comme ça, là. Hop. Allez, Vincent. Et Geoffrey pour le 3 points. Il avait trouvé. Louis. Il aurait pu remonter. Il aurait pu remonter. Allez, on va refaire tourner. Peut-être manger au moins 10 ou 15 secondes. Oh, on a failli avoir l'action gaguesque du match. Eh, bien défendu, Geoffrey. Failli. Mais pareil, dans les intentions. Oui, le marché, ouais. Dans les intentions défensives, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses. Oula, il s'est fait embarquer, Loïs, là, pour le coup. Ouais. Alors, par contre, ouais. 2 points, Ludovic Kader. Ouais, il s'est après, fait. Après, je comprends la décision. Autant sur Romé Artigue, ne pas passer sous l'écran, c'est une évidence.
autant sur Ludovic Kader qui a, on va dire, qui est peut-être plus dangereux dans son attaque au panier que dans son shoot extérieur. C'est plus logique. Faute de numéro 9, Dragan Boisa. Alors, ça... Quatrième faute personnelle. Retour en jeu. Jean-Charles, toi, Boy Tesseret. Mais sans le numéro 1. Ou pas. Si. Non, mais du coup, mais ça me semblait tellement évident qu'il s'approche du banc à ce moment-là, c'est sa quatrième, mais tu sais que le coach le sait. Vu qu'il n'y a pas le numéro. Et il a le 6 devant, en fait, en dessous de Crolion, il a le numéro en petit. Devant. À moi, de loin, j'y vois bien, c'est de près que j'ai mangé des lunettes. Et moi, il me faut des lunettes de près, de loin. J'ai été chez l'ophtalmo. Ah, bien vendu. Ouais, très bien vendu, à la limite de la technique flopping. Ouais. Mais il a choisi l'autre option. Faute offensive, Hakim Saya. Allez, un petit flottement là dans ce match là. Ouais, hein, depuis il y a toujours 19 points. Deuxième faute personnelle. Allez, donc, te laisse pas avaler. Ça n'a rien à aller chercher si haut, voilà. C'est maintenant que c'est important. Voilà, restez devant lui, dit Hakim. Elle n'a pas sortir. Ouais. Allez, c'est bon, les rotations ont été faites. Chacun se retrouve sur son joueur. Ouais, 3 secondes. Ouais, 3 secondes, c'est ça. C'est ce que j'aurais sifflé aussi. C'est ce qu'on avait vu. Allez, on a pris que 28 points jusqu'à maintenant. Ça tient, côté défensif. Sortie de balle, remise en jeu, Marseille. Ça ressort, peut-être y être, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Ouais, bien, bon retour. Ouais. Ok, parce qu'il n'a pas mis le, il a pas mis le corps. Il a fait l'effort de passer devant. Et ouais, là, il aurait pu, derrière là, siffler. Il y avait la faute de frustration. Et l'arbitre a peut-être... Un peu loin, ouais. Il fallait le prendre, ouais. Siffler ouais. À le rebond. Alice. Oh, c'est l'arbitre, ouais. Ouais, il là s'est aussi, ça fait deux... Ouais. Allez. Donc, il n'y a pas de blessure. Allez, 9 secondes. Ouais, là, il a pris l'écart. Marché. Ah non, faute, sifflé. Oh. Il me semblait que c'était mes 18h pourtant, faute, c'est ça. Sifflé. Au numéro 1, Ludovic Kader. Deuxième faute personnelle. Ouais. Retour en jeu, Lionel Luchu. Il me semblait que ça avait été à mes 18h, bien vu. Et ça discute. Ils sont dans la pénalité. Beaucoup, non Artigue. Ouais, ils sont dans la pénalité. Les deux équipes sont dans la pénalité. Elle va juste vérifier si c'était la cinquième ou la quatrième. Il y en a cinq au tableau. Donc elle est de lancer. C'est peut-être ce que Justine Lano slash Cano est allé indiquer. Je suis désolé encore une fois madame l'arbitre ou mademoiselle l'arbitre. Je me suis tellement écrit, tellement mal écrit que je n'arrive pas à relire votre prénom. Votre nom, pardon. En tout cas, on ne les voit pas beaucoup, les hommes en rouge de ce soir, enfin, femmes et hommes en rouge. Et c'est plutôt bon signe. Ce soir, et c'est toujours bon signe. Ouais, parce que c'est d'ailleurs, c'est très bien que tu le soulignes. Très bien lancé, réussi. Mais notamment, on a peut-être la faute qui ne siffle pas. C'est aussi pour éviter, même si il y a la frustration derrière de Romain Artigue, mais en ne la sifflant pas aussi, il maintient le match. Il peut tenir aussi les joueurs de peut-être éviter la. C'est vrai que des fois, on souligne un petit peu les absences arbitrales. Mais... Ouais, là, c'est l'erreur qu'on juge, nous, en tout cas. Mais là, ce soir, il faut de constater que rien n'a à redire au niveau des hommes en rouge pour l'occasion. Après, comme tu disais pour les filles, c'est vrai que notre seuil de tolérance est un poil plus important à plus 20 qu'à moins 3. Ouais, allez, Geoffrey. Non, à droite. Non, il n'a pas remis le... Il était monté en température dans le deuxième quart-temps pour l'instant. Louis. Ah, dommage. Et pour l'instant, mais c'est des bons tirs, il faut continuer à les prendre, en tout cas. C'est ce que tu disais, d'ailleurs il a confirmé dans le deuxième quart que il avait su monter son taux de réussite. Et là c'est moins le quart de deuxième mi-temps. Allez, ça parle pas bien parler sur les écrans, changer, attention. Allez, pas trop passer dessous. Ah voilà, un grand qui fait l'effort. Voilà, il a été obligé de bien lever le bras. Ah, super le rebond. Et ouais, et après bien sûr il va lui siffler. Et c'est Ludovic Kader qui prend le tir au lieu que ce soit Robin. Et ça on aime bien. Et on préfère.
on préfère. Avec tout, avec tout le respect qu'on peut avoir hein, pour Ludovic Kader. Hein, après, chacun ses qualités. On a vu que c'était. Et une nouvelle fois, Lionel Lochu, lancé franc à suivre, Geoffrey de la Roulasse. Ouais, Ludovic Kader, joueur très explosif. Et peut-être moins en phase avec le shoot extérieur. Enfin, en tout cas, moins que Romain Artigue. Évidemment, peut-être que Arnaud Bia n'est pas vraiment d'accord avec nous, vu ses échanges sur, avec l'arbitre. Il n'a peut-être pas la même vision que nous des coups de sifflet. Parce que forcément, le seuil de tolérance à moins 20, tout l'inverse de ce que je viens de dire, à moins 20, il est forcément plus bas qu'à plus 20. C'est ça. Allez, Geoffrey qui rate le premier. On se demande comment, toujours comment un aussi bon shooter dans le périmètre. 0-2 et la sortie de balle marseillaise. Pour lancer franc. Ouais. Alors là, tu vois, pour le coup, j'aurais dit sortie de balle marseillaise. Mais je n'ai beaucoup plus loin que madame l'arbitre. Allez, retour en jeu, Baran Guiram. À la place de Geoffrey de la Roulasse, applaudissements pour les joueurs, s'il vous plaît. Je le tiens, celui-là. Je le tiens, celui-là. Ouais, je le tiens, celui-là. Le Famille Adam, je suis pas sûr de relancer, mais. Ou le SMUC ou de défense. Vu le vent de tout à l'heure, je suis pas sûr d'y aller, mais. Oh, ouais, Hakim qui a voulu faire la faute. Oui, pour les garçons, je pense que pour la présentation, je vais leur remettre l'intro des Bulls. Après, on l'a déjà entendu, donc ça ne nous plaît pas trop. Mais... Bon, en tout cas, nous qui nous inquiétions un peu dans ce premier, dans le premier carton, ça va mieux. Hein, on va pas dire qu'on y est. 21 points, 13 minutes à jouer. 21 points toujours. Donc on va pas considérer qu'on y est. Mais la tournure du match est somme toute un poil plus intéressante pour nous. Voilà, je vais pas leur mettre l'intro des Bulls. Je vais leur mettre les Avengers, ça va leur plaire. Voilà. Comme ça on le remet pas, ça, j'aime pas trop. Allez, le 0-2. Et retour de Bakary Konaté. Oula. Ça me très bien qu'il ait généré aucun mouvement derrière. Parce qu'avec sa prise d'appui, je pense qu'on n'était pas loin du marché. Et on s'attendait bien en tout cas. Et la Bumba. Ouais, franchement, c'est dedans. C'est l'action parfaite. Et c'est 3 points. Loïs Nassoff. Bien. Encore la vision du jeu de Vincent Vermillac. J'insiste, hein, mais. Ça t'allait ? Par pile poil là. Oula. Ouais. 2 points. Lionel Lochu. C'est pas rien, non mais. Ouais, parfait. Relais au milieu. Bien Barra. Oula. Hakim, Vincent et encore la vision du jeu de Vincent Vermi. Bam! Passe décisive, Vincent Vermillac. Qui va résister au contact. Et ça fait lever Jordan Ogundiran suspendu. Ouais. Sur ouais, cette rencontre. Il gère vraiment bien sa barque, Vincent Vermillac. Il ouais. Insiste, mais. Fait beaucoup de bien. Et 24 points. Allez, il est là, la défense aussi. Il s'est fait mal à la main. Il a fait trop fort. Pied. Remise en jeu. Crolion. Allez, Angel Corneille. Qui remplace justement Angel Corneille à la passe de Vincent Vermillac, applaudissements s'il vous plaît. Ah, il marche, je le maintiens, je le continue. Hein. Oui. Allez, toujours gros. Allez, cette fois. Oh non, j'allais dire cette fois, on n'aura pas pris un panier facile sur remise en jeu. Donc bon, comme t'es serré. Bien joué. Et par contre leur zone presse, elle est passée très facilement. Attention. Ouais, bien joué. Bien Angel. Eh ouais non, eh non pas. Allez, allez. Ouais, parce que c'est pas reparti, il reste 6 secondes. Et là il va le prendre. Et il va le mettre. Oh, c'est encore dedans. Loïs Nassoff. Bien mon petit. Plus 25. Eh ouais, j'en vois tout là. Et il enchaîne les 3 points, j'en vois les jingles. Non, non, gros passage de Loïs. Qui, comme tu disais, retrouve son sourire, sa joie de jouer, forcément. Il retrouve son efficacité.
pour sa deuxième année en national. La première réelle, l'année dernière, il faisait beaucoup le banc. Ah, il cumulait U18 et N2, et là il a montré que... saison U18. Et là on peut dire qu'il a un rôle majeur cette année. Allez, allez, ouais. Faut lui parler les gars, en tout cas la passe. Oh, oh, ouais, bien la dissuasion. Ouais. Bien Angel, bravo. Et c'était bien qu'il n'y ait pas le contact. Allez, allez Marseille, oui. Allez, on est à plus 25. Allez, Barra qui prend l'intervalle, qui résiste un contact à moitié et qui va sur la ligne. Et si c'est la faute du 6, ça va être sa quatrième. Allez, puis goûter. Allez, Baringram, lancez franc à suivre. Dao, va filmer ça là, il dort. Eh ouais, va filmer ce chien, il dort, il s'astique plus, ça se soit. On a le micro. Hein? Allez, Dao, si tu m'écoutes, va filmer les gamins! Oh, je me rappelle plus ce que je voulais balancer, si j'avais dit Avengers. Allez. Qui c'est qui est rentré à la main et qu'on n'a pas beaucoup vu? C'était Olora Kakpo. Allez, il la récupère. Allez, sorti de Marseille. Allez, les 30 dernières secondes du quart temps, applaudissements. Allez, plus de 27. On va dire qu'on tient le bon bout quand même à ce match. Et qu'on devrait pouvoir assurer une victoire si précieuse. Allez. Bakary Konaté. Qui se permet le luxe de chambrer, mais bon. Ouais, ça fait plaisir pour lui, il vit une saison quand même bien galère. Ouais, je crois que c'est un garçon adorable qui a parfois un peu du mal avec ses pieds et ses mains, mais il est toujours investi. Allez, Bundy. Allez, fin du carton. Zwick, 61, Lyon, 32. Allez, présentation de l'OU13 département, ils ont gagné. Nos deux équipes ont gagné respectivement leur quart de finale. Face à Rognac et Lambest cet après-midi. Allez, on commence avec Malo. Applaudissements s'il vous plaît. Pour l'OU13, Malo, Noé, Nathan. Le timing parfait, j'adore. La musique, elle dure le temps du temps mort, quoi. Parfait. Alors, vous n'avez pas eu le son, mais on a une très très belle présentation de nos U13 département vainqueurs. Regardez, ils sont chauds, ils renvoient aux armes. Allez. Allez, Jules Calvert qui est de retour, ça fait plaisir. Allez, sortir, mettre le bras.
Bien, Angel. Allez, voilà, donnez du temps aussi aux jeunes. Ah ouais. Un peu présomptueuse. Pas de passe intermédiaire, attention. S'il le voit de l'autre côté. Allez, on est à la limite des 3 secondes. Il lui donne très tardivement. Oh, et là, le capitaine qui se voit siffler la faute. Ouais. Oh. Allez, c'est rien. Allez, Charlie Cadet. Allez, je vais en profiter. Si. Oula, la voix est bien partie. On a. C'est peut-être sur Alistair Lebas. Le dernier cri que j'ai perdu la voix, tiens. C'est bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Allez, du coup, si les parents sont pas forcément avec nous dans la salle, mais qui regardent le live de nos U13 départements, entraînés par l'AD1, entraînés par Thomas Ramonda, l'AD2 par Alexis Bonafi, deux jeunes aussi du club qui jouent en pré-national. Allez, on avait Malo, Noé, Nathan, Félix, Soren, Gaëtan, Arthur, Marin, Loris, Esteban, Alistair et Louis qui étaient avec nous ce soir. Ils ont tous joué cet après-midi, ils ont gagné leur quart de finale, en route pour les demi, et pourquoi pas une finale départementale avec deux équipes du SMUC. Eh bien Jules. Oula. Et ouais. Bakary, c'est son soir. Et Jules dedans. Dommage, bon tir. Allez, on va récupérer la possession. Sortie de balle, possession Marseille. Ouh, ça pourrait presque envoyer un planète Mars après. Parce qu'on est chaud. Ah, il faut penser où on est encore là. Parce que là, je pense qu'on peut dire qu'on va y être encore. On est bientôt à 30 points d'écart. Allez, oui. Elle est là-bas. Oula. Alors là, c'était ni à droite, ni à gauche. Pile pas au milieu. Là, il s'est emmêlé les pinceaux. C'est pas la même vision du jeu que non, je pense que la descente des appuis pour récupérer la balle. C'est comme moi, tu me mets la balle dans les pieds, et jamais je shoote derrière, plus possible. Notre passage à double pivot encore une fois. Ouais. Regarde, encore les oublis défensifs, ils peuvent pas sortir tous les deux. Et ouais, par regarde. Chance, il et a ouais, sorti. Christian, alors il leur crie dessus, etc., mais c'est pas du tout dans leurs aptitudes naturelles, entre guillemets. Donc c'est pas facile pour eux de sortir. Mais bon, de l'autre côté, si c'est la consigne, à un moment donné. Allez, retour de Ludovic KDR pour Croyon. Ah, je vais boire un coup parce que là, normalement, il faudrait presque sortir. Là, c'est le moment où on vous dit tout. C'est le moment où je sors la pastille. Là, normalement, c'est le moment où je sors la pastille pour la gorge. Allez. Un 5 expérimental, hein. Avec les deux jeunes. Trois jeunes, même avec Barra. Ouais. Surtout à la même. Trois jeunes et nos deux gros pivots. Encore une perte de. Allez, Bakary, on sait qu'il va dissuader. Allez, il arrive en retard. Il a touché. Panier accordé. Ouais. Vous voyez, panier accordé. Goal tending. Ah, alors que le responsable de salle. Ah non. Il faut nettoyer. On a vu faire du bruit ou les. Ah, voilà, on va récupérer les ballons. Ouais. Peut-être qu'ils sont un peu trop proches du banc là. Ouais, là ils sont chauffés. Oh là, Julien Mandeville renforcé par Nicole Rossi. Et là, si tu rends pas le maillot. Nicole Toros, si tu rends pas le maillot, Gage, si tu nous écoutes, bientôt, un rap des 100 ans pour le SMUC Basket, signé Guillaume Aquaviva, soyez avec nous le 15 avril, promis, au clubhouse, et deux fois, je suis vous placaté. On va lancer ça au clubhouse, forcément la première diffusion ne peut être qu'au clubhouse, qu'en penses-tu? Ah ouais. Toi qui, comme moi, as eu la chance de l'écouter en preview. Elle est sortie de balle, remise en jeu Marseille. Et on la rajoutera à ta playlist hein, pour l'année prochaine. Ah oui, ah oui. Tu crois qu'on revient l'année prochaine? Ah, on revient. C'est vrai que toi, je sais que tu seras là. Après, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que je m'auto-invite. Mais bon, si tu me chasses, si tu me chasses pas, je serai là. Ah, écoute, tu es toujours le bienvenu. Ah ben écoute, ce sera avec plaisir. Tu leur dis, tu les regroupes, tu dis Alistair, tu les dis refaites le aux armes, comme ça tu le prends en boîte toi. Allez, vous entendez tout, vous cachez rien. C'est des lives totalement transparents sur la chaîne YouTube du SMUC Basketball. Allez, Barra. Et j'aimerais bien voir Jules marquer, moi. Oula. Et pourquoi pas, Bakary. Yeah, Youssouf. Gros boulot, Rodolphe.
Eh ouais, il y a la faute en bas. Et ça sera, je crois, sa cinquième. Non, quatrième. C'est qui? C'est Jean-Charles Toiboy. Tesseré. Ouais. Jean-Charles Toiboy, Tesseré. Temps mort. Gros lion. Et je pense que l'année prochaine, si le score... Les morceaux, j'ai eu celui-ci, merci. Top, nous revoilà. On revoilà. Ouais, vous avez raté l'intermède NTM. On est encore là, et oui, parce qu'on sera encore là en National 2 l'année prochaine, vraisemblablement. Ouais. On est réussi. Et ça fait plaisir, c'est bien de respirer quand même. Ouais, hein. Parce qu'il y a 6-7 matchs de ça, on n'en menait pas l'argent. On voyait pas bien. On avait des matchs difficiles à venir. Allez, alors on met pas, n'encaisse pas. Allez, ça attention. Peut. Plus 30, ça tombe un peu dans le Loura basket. Exactement. Mais plus 30, à plus 30, ça me dérange pas trop. 7 minutes à jouer, ça me dérange même pas vraiment. Ça devrait le faire. Ouais, bien. Super, Angel. Ouais, moins super. Passe intermédiaire encore. Eh, bien défendu. Ouais, bien défendu, super. Et qu'est-ce qu'on... Ah oui, on a une planète Mars après. Ah. Après NTM, qu'est-ce qu'il en dit ? Allez, Barra ! Parfait, Barra et Guillaume ! Ouais, tu peux laisser. Ah oui, on a perturbé Sandrine, ce qui coupe le son. Quand on envoie la musique, vraiment c'est plutôt des jingles. Elle était surprise. Ah ouais. Là c'est dans les pieds, ça joue au foot là. Allez, bon contrôle de Youssouf Niakate. Ah, mais c'est pas le vélodrome ici. Non, non, ça gagne ici. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps. Elle était facile, attention, j'adore l'OM, mais il y a la marre de voir les matchs à domicile. C'est un peu compliqué. Ouh, ça sent le Star Wars après. Je sais pas pourquoi, mais je sens le Star Wars qui vient. Après, dans l'animation, j'en ai pas mal normalement. Agan Boisa au rebond, Romé Artig. On ne laisse pas shooter. Voilà, il est ouvert. Ouf, c'est court. Amis va bien. Oh, bon, non, c'est là. Ouais, là pour le coup, c'est là pour le coup. Ouais. On peut s'en passer, les Marseillais ont la balle. Ouais, puis bon. Allez, faute du numéro 3, Rudy Castelnau, troisième faute personnelle. Ah, on n'a pas fait alors en danse, on peut essayer pour voir. Je voulais faire ça tout à l'heure. Allez, on va faire ça. Il est où ? Ah, si la donne, ah, si la donne pour le jeu à deux, bon, ouais, marché, ouais. Marché, remise dans le jeu, Crolion. Ouais, il y avait la passe intérieure qui était à faire. Pourquoi je ne retrouve pas mon strom, et... Après, on est chaud sur les musiques là, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de temps mort dans cette
plus 30. Ouais. Eh ouais, lui, tu l'avais dit, il faut pas. Romertig. Tu l'avais bien senti, il faut pas lui. Ça, j'avais bien senti, c'est plus par la configuration et je voyais Loïs coller à lui. Et comme Loïs, il a été en mission, comme je te disais, sur tous les meilleurs extérieurs adverses de toute l'année, je me suis dit que ça devait être un sacré shooter, Romertig. Et je crois qu'on ne s'était pas trompé. Par contre, il lâche pas, hein, la Croyon, toujours aussi. Applaudissements pour Jules Calvert. Allez, c'est Barra qui est en mission. Ah ben il nous fait mentir. Trop peu, Ludovic Kader. Il nous fait mentir, on n'a jamais dit qu'il pourrait pas en mettre. Non, on a dit qu'on préférait que ce soit lui plutôt que Romertig. Ouais, alors là il nous fait une salade. Ou alors ça va pas plaire à Alexis Bonafis, il regarde le replay, parce qu'il est dans la salle, hein, l'entraîneur des U13. Et il aime pas trop les salades. Mais mange salade, jamais malade. Oh là, deux points faciles. Oh, on parlait de son dynamisme. Deux points, Ludovic Kader. Allez, plus 27. On reste sérieux jusqu'au bout, les garçons. Ouais. Et là, une salade. Et le changement de 5, des gens tout frais pour finir. Oula, marché. Ouais, ouais. Il n'a pas décollé. Marché. Remis dans le jeu Lyon. Changement d'applaudissement. Ouais. Changement des 5 joueurs. Applaudissement à Marseille. Une salade. J'étais sûr, t'as vu, c'est Alexis qui était là, je savais, il déteste ça. L'année dernière, on coachait les U11 du coup, et le premier et deuxième quart-temps, en fait, c'est une salade, puisque du coup, tu ne cherches pas les trucs, comme toujours, on joue toujours à 10. Et du coup, dans le troisième ou quatrième, finalement, tu as trouvé des 5 qui fonctionnent, les gamins pour équilibrer le temps de jeu, parce que l'objectif, c'est de les faire tous travailler, il y a quand même une certaine facilité à reproduire ce que tu as fait dans le premier et le deuxième, c'est-à-dire de tu leur donnes pas tout le carton en entier, mais et de partager aussi quoi. Et à chaque fois ils disent non mais on fait pas des salades Mikey, on fait pas des salades. Je dis d'accord. Il y voit un certain manque de respect par rapport à l'entraîneur adverse, je pense pas du tout que ce soit le cas ce soir. Une espèce de continuité dans le jeu. Tout ça pour dire que cette saison, à un moment donné, on était mené de 10 points. L'entraîneur adverse a fait une salade. On a mis 20-0 derrière. Ah. Et les deux points, et Aradjou. Ah, ça n'a pas dû l'aider à changer d'avis. Non, pas du tout. Allez, on a retrouvé nos 29 points. Ludovic Kader, un peu court. Allez, alerte top 10. Top 10. Aïe. Oula, j'ai pas vu. Ouais. J'espère que c'est quoi qui a tapé. Ouch. Attends, on a le replay. Ah bah il est fauché. Il est fauché par le 9. Ouch. Ah non, on va pas nous gâcher la fête. N'allons pas nous gâcher la fête, j'aime pas ça. On n'aime pas bien beaucoup ça du tout. Et ça a glacé totalement l'ambiance sur cet énorme dunk de Loïc Grassoff qui est pris au corps. Ah ouais. Applaudissements, Loïc Grassoff. Plus d'applaudissements, s'il vous plaît, Marseille. Ça va aller. Petite douleur à l'épaule gauche. Ça va, il shoote la main droite. Ah, et du coup, il n'y a pas faute sifflée. Il n'y a pas faute sifflée, pour le coup. Non, sans déconner. Non, ouais. Non, il n'y a pas faute. Bon. Là, même à plus 30, le seuil de tolérance sur une faute comme ça, même s'il ne fait pas exprès, on le voit, c'est ce qu'il fait gentiment derrière. Il n'y a pas du tout le mauvais état d'esprit, ou genre, je vais le couper. Hein. Il est emballé, lui, dans sa défense, il est pris, mais il déséquilibre Louis Grassoff, très clairement. Ah bah vas-y, Franco, alors, c'est bon, elle rentre pas, Vincent. Mais à la faire, il faut la faire plus fort.
Allez, faute. J'ai numéro 44, Vincent Vermillac, lancé franc à suivre. Erwin Katumbeni. Je m'en suis rappelé, mais c'était sur la fin du nom. Le nom était tellement long que du coup... Alors, il y a deux écoles sur les lancers. Est-ce qu'on fait du bruit? Est-ce qu'on fait pas de bruit dans le public? Moi, je suis de l'école, on fait du bruit. Tu t'en doutais. Tu t'en serais douté. Enfin, moi, je suis aussi. Je vois que quand on est à l'extérieur... 2 sur 2. Quand on est à l'extérieur, ça fait du bruit. Hein. Non, mais après, c'est des questions de... D'habitude, quand je vais voir des matchs de rugby, même pénalité adverse... D'accord, ça... j'avais trouvé ça magnifique. Et ça, quand t'allais voir les finales de Coupe d'Europe, j'avais trouvé ça magnifique. Et, ouais. Et je trouve ça beau, justement, même... Annoncé sur l'écran géant et tout. Et il y a quel... Oh, la belle passe encore. Ah, dommage. Et oh, quel passeur, ce Vincent. Je sais pas si ça a rapport avec ce que tu disais, mais il y a qu'un endroit où j'ai vu le tireur adverse se faire siffler au rugby, c'était au Stade Mayol. Ah. Donc je pense qu'il y a une culture sud un peu chauvine. Allez, Geoffrey. Ah, il a marché. Quoi, sur la ligne. Il a pris de pied sur... Allez, sorti. Pied sur la ligne. Et Crolion. Allez, 2 minutes 15. À jouer. Si vous voulez applaudir, c'est maintenant. Il reste plus que 2 minutes. Alors, on va refaire une famille Adams. On va refaire une famille Adams. Sortie de balle. Allez, Marseille, avec les mains. S'il vous plaît, 2 minutes. Bien. Et le point, Youssouf Yakate. Allez, à la limite de la possession. C'est qui? Donc, c'est Lionel Mucus. Erwin Katumbeni. Ah non, ouais, pardon. Ouais, c'est toi qui as raison. Ah, Eradjouk. Ouais, pas en rythme, c'est plus dur de prendre les tirs. C'est raté. Allez, dernière minute de cet avant-dernier match à domicile. Allez, on vous laissera en toute fin de retranscription, vous aurez les images, mais on coupera le son, encore une fois pour les droits musicaux. Et les 2 points, Jonathan Radjouki. Allez, à 4 journées de la fin, ça sent très bon, on respire bien à Marseille. Ouais. 4 journées encore à jouer, 3 à l'extérieur, on se retrouvera, le prochain match c'est à Salon, le 15 avril. Ah, on sera bien occupé ici le 15 avril pour la dernière danse de Pauline Luciani et Vincent Bouscarbiès en NF2. Donc soyez avec nous ici au Technosport. Les garçons, eux, seront à Salon. Sortie de balle, remis dans le jeu Crolion. Et nous, on se retrouvera le 6, ici. Allez, ce sera peut-être la dernière danse de certains joueurs aussi. Alors, soyez avec nous le 6 mai, dernier match à domicile avant la dernière rencontre de championnat qui aura lieu à Sorgues. Entre-temps, donc, les Marseillais se seront déplacés 2 fois à Salon et à la Pontoise. Avant de recevoir l'Aravoir. Il y aura les 31 points. Allez, on finit sur le deuil de Radjouki. Du bruit Marseille pour vos joueurs. Applaudissements pour l'équipe de Crolion. Et beaucoup de bruit pour le Marseillais. Une victoire qui s'en va à la Nationale 2. Allez, à bientôt sur la chaîne YouTube du SMUC Marseille Basketball. Donc, à la MoRT. Ouais, rendez-vous le 15 avril pour les filles. 15 avril et 6 mai pour les garçons. Salut, salut. Bye bye, bonne soirée. Oh.